Le principal indicateur de l'inflation en Chine, l'indice des prix à la consommation ou IPC, a augmenté de 0,6% en août par rapport à l'année précédente, contre une hausse de 0,4% en juillet. Les chiffres du Bureau national des statistiques montrent que la demande des consommateurs a continué à se redresser en août. Par ailleurs, l'indice des prix à la production de la Chine, qui mesure les coûts des biens à la sortie de l'usine, a chuté de 1,8% en glissement annuel en août. Sur une base mensuelle, l'IPP a légèrement baissé de 0,16%, s'élargissant par rapport à une baisse de 0,2% le mois précédent. Dans l'étude, statisticien au Bureau national des statistiques a attribué cette baisse à une demande insuffisante du marché et à la tendance à la baisse des prix de certains produits de base internationaux.